Dis-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Codèche-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que toutes nos vies soient à toi. Que ma vie te glorifie. Te glorifie. Que ma que ma vie te glorifie, te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur. Que ma famille. Seigneur, une fois de plus, nous te dédions tout ce que tu nous as donné. Père, nous te le dédions, nous te le dédions. Pardonne-nous d'essayer de garder les choses pour nous-mêmes. Si nous vivons pour toi, Seigneur Dieu, toi, tu t'es donné pour nous. Et tu nous aimes. Mais apprends-nous à vivre pour toi. Apprends-nous à te servir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'invoque le feu de Jésus. Afin que tout interdit qui est placé dans ta vie soit brûlé, ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne de discerner, de déceler, de vérifier, de voir tout ce que Dieu n'a pas planté. Agir, c'est la sanctification qui vient enlever de vos vies tout ce que Dieu n'a pas planté. Que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie, dans ton comportement, dans tes attitudes, toute attitude, toute marque déposée de Satan en toi, soit arrachée dans le nom de Jésus. Sois sanctifié par Jésus. Sois sanctifié par Jésus. Père, lave-nous par ton sang. Purifie-nous par ta parole. Oh Dieu des cieux. Papa, ne laisse pas l'interdit dans la vie de tes enfants. Plusieurs sont affaiblis, fatigués, n'ont pas d'exploit, sont en retard parce que l'interdit est là, mais ils n'ont pas discerné ou l'attachement émotionnel avec cet interdit est trop fort. Mais nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous ce soir la force de nous séparer des choses que tu veux
dont tu veux que nous nous séparions. Accorde à ta fille, accorde à ton fils ce soir la force de laisser, d'arracher le hakan, d'arracher l'interdit. Dans le nom de Jésus, je déclare de la proposition spirituelle, je rentre dans ta maison et je déclare tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison et qui combat ta famille, qui combat ta maison, qui combat ta vie, est arraché et ôté dans le nom de Jésus de Nazareth. Je parle par l'Esprit du Seigneur et je prophétise sur ta vie, sur ta famille, sur ta santé, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu manges, tout ce que tu fais, qui te combat dans le secret, la chose qui est cachée, qui te met en retard, qui crée des confusions dans ta maison, dans ton... cela est ôté dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et rekatarian d'abrada sokata la babres. Shabraya katarababrada sorobara la kanda rababra. Élève la voix et prie. Prie. Sherebakata rababrada sorobara la glorian d'abrada serebakata. Raide sorobara la glorian d'abrada so. Renda sorobara la clarian d'abrada sorobara la clan. Raides gloria da brada soro bara la claria da brada soro bara la ca. Raides gloria da brada soro bara la cara bara la soro bara la. Brise. Brise. Sota araba kota rabra ashaba kata rabra da soro bara la soro kata bra. Oh yeah yeah yeah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Raida bra da soro bara la soro. Gloria da brada soro bara la gloria da brada. Raides gloria da brada sa. Grâce divine, merci. Merci pour la victoire. Merci au nom de Jésus. Amen. Diotes.
cet esprit. Apprends-nous la crainte de ton nom. Apprends-nous le respect. Apprends-nous la révérence. Trouve dans cette maison la sainteté. Le respect, Seigneur Dieu. Papa, étends ta main. Pardonne-nous. Élevons la voix et demandons à Dieu pardon. Chaque fois que nous avons manqué de révérer sa présence. Chaque fois que nous n'avons pas honoré sa présence. Honoré la Sainte Seine. Honoré les choses sacrées. Honoré les choses qui lui sont dédiées. Que le Seigneur nous pardonne. Chaque fois que nous avons banalisé sa maison. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des maladies qui nous fatiguent. C'est pour ça que sa présence s'est retirée de notre vie. Dieu seul sait. Parce que l'ange n'est pas visible. Il dit par exemple, il dit que la femme est sur la marque de l'autorité dont elle dépend. Parce qu'à cause des anges, à cause des anges, que Dieu Seigneur aide-nous à la sainteté aux hôtesses. Papa, sanctifie-nous par ta parole. Éloigne-nous de l'impiété. Éloigne-nous du manque de respect, des choses qu'on appelle souvent des détails. Parce que tu es un Dieu esprit, nous négligeons souvent les choses visibles. Donne-nous de te donner gloire dans ce que nous faisons, dans ce que nous avons. Brenda Sorobara la Glorianda Brada Sekata. Vraiment, si tu te souviens avoir posé des actes pareils, avoir agi de la sorte, confesse-toi, répands-toi. Répands-toi, humilie-toi. Humilions-nous devant la face de Dieu. Humilions-nous devant la face de Dieu. Que nous puissions trouver grâce aux yeux de notre Père. Que le Papa nous pardonne de chaque manque de sainteté aux Iotès. Quand nous avons manqué de vivre la sainteté aux Iotès, que Dieu nous fasse grâce. Rebrakata rababrada sorobara la konta la babé. Brenda sarabara la ko. Prede brada sorobara la glorianda brada sorobara la kendele bobos. Praide sarabara la glorianda brada sorobara la ke. Rabakata rababrada sorobara la kanda la babo. Brenda brada sorobara la clarianda brada cerebara la bros. Shabrakata la babraida la ricanda la dabe. Prede glorianda brada sorobara la ka. Seigneur, la sainteté convient à ta maison. Prions pour la maison de Dieu. Prions pour notre église. Prions. Afin que la sainteté aux Iotès, Kodesh, Kadosh, Agios soit notre partage. Demandons-le au Seigneur, demandons la sainteté de Dieu. Rababrada sorobara la glorianda brada sorobara la kek. Shakatarianda brada sorobara la konda la baba. Rababrada sorobara la glorianda brada so. Père, apprends-nous la révérence. Apprends-nous la révérence. Apprends-nous la piété. Apprends-nous la piété dans ta maison. Apprends-nous la révérence dans ce que nous faisons pour toi. Apprends-nous la révérence dans notre vie. Apprends-nous ces choses. Apprends. Rebrakata rababrada sorobara la ka. Raide sorobara la glorianda brada sorobara la ke. Shabraya katarababrada sorobara la bra. Rikata la lianda la mados. Robraya katarababrada sorobara la ka. Raida brada sorobara la glorianda brada serebara la bo. Rede glorianda brada sorobara la glorianda brada serebara la ba. Charibrea katarababrada sorobara la ke de deba. Au nom de Jésus. Alléluia. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Debout, on va dire Seigneur Jésus, sanctifie-moi par ta parole. Sanctifie-moi par la vérité. Sanctifie mon esprit. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon corps. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est-à-dire, c'est lui-même qui nous sanctifie. La force pour marcher dans la sainteté. Il ne faut pas admirer quelqu'un que tu vois qui t'estime qu'il est saint. On va dire non. Parce que ça veut dire qu'il a de bonnes pensées. Non, ça ne fait pas de moi. Que le Dieu de paix lui-même, c'est-à-dire c'est son travail lui-même, ça revient à Dieu lui-même de nous sanctifier. C'est lui qui nous sanctifie. Mais nous devons être conscients de l'œuvre qu'il veut faire en nous, afin qu'il puisse agir en nous. Ensemble, élevons nos voix et prions, afin que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même par sa parole. Brenda sorobara la katara babrada sorobara la kendele baba. Praide serebara la kutara babrada sorobara la kak. Praide serebara la sorobara la klaria dabros. Rebra katara babrada sorobara la klaria dabrada serebara la kak. Praide sorobara la klaria dabrada sorobara la ke. Shabra katara babrada sorobara la klaria dabrada solaba baba. Shabra yakatara babrada sorobara la kandala babros. Raïde Sherebara la Sorobara la ka. Rekata, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par la vérité. Jésus, sanctifie ton église. Seigneur, sanctifie ton église. Seigneur, sanctifie chaque personne ici présente. Et en ligne aussi, sanctifie-nous. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous, Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur. Rida brada sorobara la clarianda brada sorobara la ke. Roda brada soro bara la gloria da brada soro bara la ka. Raide soro bara la ka. Sanctifie-moi Jésus. Sanctifie-nous, sanctifie nos pensées. Sanctifie notre cœur. Sanctifie-nous, sanctifie-nous.
Rianda brada soro bara la conta raba brada soro bara la bra. Rai de sere bara la gloria da brada sa. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible pour l'avènement du Seigneur. Dieu de paix, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie mon frère. Seigneur, sanctifie ma soeur. Seigneur, sanctifie ton église par la vérité. Sanctifie ton église par la vérité. Que ta vérité soit prêchée. Que ta vérité soit proclamée. Que ta vérité soit prêchée. Car c'est ta vérité qui nous sanctifie. Toutes choses sont sanctifiées par la parole et par la prière. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Timothée 4, 5. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Je prie, la sainteté Jésus. Rabrakata rababrada soro baralake. Shabrayakata rababrada soro baralako. Shabrayakata rababrada soro baralaka. Brenda brada soro baralaklaria da brada soro baralaka. Nous continuons de prier. Prions que l'impudicité ne soit plus nommée parmi nous. Rêvons de voir une église où on ne va pas parler d'adultère, on va parler d'impudicité. Que la sainteté, que chaque dans cette église, la sainteté soit manifestée. Que chaque femme ait son mari et sa femme. Que les rêvons cela, rêvons. Car le Dieu vivant que nous prions est capable de le réaliser. Est capable de le... Qu'il sanctifie l'église de l'impudicité, du mensonge, de la tricherie, des escroqueries. Tous ces péchés-là, que Dieu nous pardonne et qu'il nous sanctifie. Dans cette maison, dans cette église, plusieurs, nous avons commis l'impudicité, commis l'adultère, menti, triché, faire la corruption au niveau du travail. Et beaucoup de choses impures se sont retrouvées dans nos vies, dans nos actes. Que Dieu, dans sa compassion, nous pardonne. Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons menti. Seigneur, nous avons triché. Seigneur, nous avons commis impudicité. Père, Père, je prie, je prie, je prie pour ton église. Oh Dieu, sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie ta maison. Détruis du milieu, au milieu de nous les choses qui te déshonorent, les choses qui ne te plaisent pas. Bannis du milieu de nous l'impudicité, l'adultère, le mensonge, la tricherie, les compromissions, les fausses doctrines. Ordre-les du milieu de nous. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Rebraya katarababrada sorobara labra. Raïda brada sorobara laka. Sanctifie-nous des choses de calomnie. Sanctifie-nous du mensonge. Sanctifie-nous de la compromission. Sanctifie-nous de l'orgueil. Sanctifie-nous, sanctifie-nous. Sanctifie-nous, Kodesh. Sanctifie-nous, Agios. Sanctifie-nous, Osiotes. Sanctifie-nous, Rebra katarababrada sorobara laka. Raïda sorobara laka urubara lasa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je viens vers toi. Je demande ta grâce, ta miséricorde pour tout péché que j'ai commis et que je commets. Papa, si tu as vu en moi l'iniquité, aie compassion de moi. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Sanctifie-moi selon Osiotes. Accorde-moi la piété, le respect de ta parole, de ta présence. Sanctifie-moi selon Agios. Distingue-moi des interdits. Éloigne de moi les interdits. Sanctifie-moi selon Kodesh. Que ma vie te soit dédié et que tout ce que tu m'as donné te soit dédié. Sanctifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie ton église, lave-nous par ton sang. Nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir, papa, nous voulons te voir agir, nous voulons te voir au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensemble, élevez nos voix vers le Seigneur et priez par rapport à la notion de l'autorité
et de la puissance. Mais on va, le premier point, je vais commencer par l'autorité. Ensemble, élevons nos voix et prions. Brinda soro baralaka, taraba brada soro baralaka, rakatarianda brada soro baralaka. Seigneur Dieu, nous avons besoin que les confessions et que nos déclarations soient puissantes, soient effectives. Papa, je prie afin que dans ta grâce divine, tu nous accordes ce matin de l'autorité et de la puissance, Seigneur Dieu, dans nos propos. Rebrakata rababrada soro baralakunda rababrais. Rababrada soro baralakanta rababrada sarabaralake. Sharabarala soro baralaklarianda brada sota rababru. Braide sere baralaklarianda brada soro baralaka. Braide sclorianda brada soro baralaklarianda brada se. Shakatarianda brada soro baralaka rabaralasu. Reda brada soro baralaka. Rakatarianda brada soro baralaka. Shabrakata laba brada soro baralabe. Sharaba kataria da brada soro baralaka, sharaba da karabara la soro baralaka karabara la so, sheri brakatara babrada soro barala gloria da bra, reda brada soro barala claria da brada soro baralaka, rababa baba 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 sheri barala so, sheri brakatara babrada soro baralaka, shabraya katara babrada soro baralabe, braide sheri barala gloria da brada soro barala bra, riba brada soro barala claria da brada so talababe. Shakatari and the brada soro bara la clari and the bra. Lara gada brada soro bara la conta la brada sa. Shabrada sluri and the brada soro bara la ve. Rianda brada soro bara la canta la baba. Au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur parce que tu mets dans nos bouches la parole d'autorité. Merci Seigneur parce que tu mets dans nos bouches la parole de la puissance. A toi soit la gloire au sein des siècles. Quelqu'un donne un bon amen. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Accorde-moi la grâce de savoir ce sur quoi tu m'as établi. Ce sur quoi tu m'as établi, Jésus, afin de parler avec assurance et autorité. Tu vas prier, pendant que je déclare, tu vas commencer à prier parce que l'Esprit du Seigneur va te positionner quelque part tout de suite. Tout ce qu'il t'a confié, ta famille, ta maison, ta destinée, est-ce que tu sais que tu as autorité sur la sphère de ta vie? Tu as autorité sur ton corps, tu as autorité sur ton âme, tu as autorité sur ton esprit, tu as autorité sur le chemin de ta destinée, tu as autorité sur ta maison, c'est ta maison. Tu as autorité sur la maison que Dieu t'a donnée. Tu as autorité sur le travail que Dieu t'a confié. Tu as autorité dans le travail. Tu as une autorité dans la mission que Dieu t'a confiée. Si spirituellement parlant, tu es un policier, tu as autorité dans ce domaine. Si spirituellement parlant, tu as autorité, nous allons passer par la... C'est parce que j'ai autorité que tu pourras dédier ta vie, dédier ta famille, dédier... Parce que la vie que Dieu t'a donnée, tu as autorité sur elle. Rekata rababradasa. C'est parce que tu as autorité sur ta vie que tu peux interdire à un démon de la toucher. C'est parce que tu as autorité sur ton corps que tu peux dire à la maladie de ne pas être influencée. Parce que tu as autorité, tu parleras contre les œufs de l'enfer et elles écouteront. Redabradaso katarababra. Rebabababababa sherebara la soro baralaka. Braide cerebara la gloria da brada soro baralake. Shabra katara babrada soro baralaka rabaralaso. Shabra yabra babababababa sherebara la ze. Rianda brada soro barala gloria da brada se. Sharabara la sota rababrada se. Karayanda rababrada soro baralako. Rekata la babrada sarabara la ve. Sharaba katara babrada sarabara la bro. Rianda brada soro baralaka. Jereba katara babrada so. Sharamara la ba. Seigneur, accorde-nous la grâce de voir la sphère de l'autorité sur laquelle tu nous as établi. Ce sur quoi tu nous as établi. Rekatari babrada soro baralabra. Sarabara la soro barala clarian da brada soro baralaka. Brenda brada soro barala clarian da brada soro baralake. Sharabara la soro barala clarian da brada se. Brenda brada soro barala clarian da brada soro baralabra. Sharabara la soro baralake. Riba katara babrada soro barala clo. Soro bara la soro bara la primera le soro bara la bra raba brada soro bara la clo raides gloria da brada soro bara la claria da bra reba kata raba brada soro bara la ca raides sere bara la soro bara la ke shabara kata raba brada soro bara la ba la kata yanda la babes soro bara la kata da babros re anda brada soro bara la claria da brada soro bara la ca shabakata riba brada se. Brenda brada soro bara la gloria da brada soro bara la ca. Raba brada sara bara la brembele le soro bara la ca. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Que ce matin, tu aies de l'assurance
sur les domaines. Les domaines sur lesquels ton Père t'a établi. Dans le nom de Jésus. 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 Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va se lever, on va prier pour demander à Dieu pardon chaque fois que nous-mêmes n'avons pas été soumis. Dans la sphère spirituelle, la soumission, nous la devons à Dieu et à sa parole. Dans la sphère familiale, nous la devons à Dieu et nous la devons à la personne qui est établie sur nous. Ensemble, élevons nos voix. Marie, toi qui es le chef de famille, est-ce que toi-même tu es soumis à Dieu dans ta vie? J'ai parlé de la femme, mais l'homme aussi doit se soumettre à son Dieu. Il doit se soumettre à son Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, il faut le faire. Rebra katara babra da soro bara la katara babra. Raida soro bara la clarianda brada soro bara la ka. Shabra katara babra da soro bara la clarianda brada se. Sherebra da katara babra da soro bara la clarianda brada so. Shabra katara babra da soro bara la clarianda brada se. Rinda brada soro bara la clarianda brada sara bara la ke. Rinda brada soro bara la kara bara la bra bara la bro. Rabababababababa shere bara la soro bara la ka. Raide sere bara la clarianda brada soro bara la be. Shabra katara babra da soro bara la bra. Rianda brada soro bara la clarianda brada se. Shere bara la soro bara la clarianda brada soro bara la bra. Ribabababababababa shere bara la soro bara la clarianda bra. Reda brada soro bara la clarianda brada soro bara la clarianda bra. Soro bara la soro bara la clarianda brada soro bara la clarianda brada ke. Roba brada soro bara la clarianda brada soro bara la clarianda brada soro bara la ka. Raba brada soro bara la clarianda brada soro bara la ke. Shabra ya katara brada soro bara la ke. Roba katala babababababa shere bara la za. Seigneur, pardonne-nous lorsque nos cœurs ont été rebelles. Lorsque nos pensées n'ont pas été soumis. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Notre manque de soumission, pardonne-nous, Papa. Notre manque d'obéissance à ta parole. Notre manque de soumission à toi. Pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous, mon Dieu. Dans ta grâce divine, dans ta grâce divine. Pardonne-nous. Brinda sarabara la gloria, nabrada surubara la ka. Rababrada surubara la gloria, nabrada sarabara la ki. Raida brada surubara la gloria, nabrada surubara la ka. Rababrada surubara la katara babrada surubara la ebri. Rianda bababa solo bakatala babrada surubara la bra. Rai katala babrada siri mara la brai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la soumission. Tu es pardonné de toute rébellion, de toute insoumission au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit par sa parole. La Bible dit, sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Je crois que c'est Jean 17, 17. Sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Comment est-ce qu'on devient saint? Parce qu'on écoute la vérité de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas résister à la vérité de Dieu. Amen. D'accord, donne-moi le texte. Pardon, sanctifie-nous par la vérité. C'est Jean 17, 17, non? Sanctifie-nous, c'est ça? Voilà, Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc Dieu nous sanctifie par la vérité. Il nous dit ce que les choses, comment les choses sont. Et nous, nous devons les accepter. Nous devons dire Amen, Amen. Et nous devenons saints. Donc crois que le sang de Christ et la vérité de l'évangile t'a purifié de toute rébellion. De toute rébellion. Alléluia. Il ne faut pas rentrer dans la culpabilité. Parce que si tu rentres dans la culpabilité, si tu ne crois pas que tu as reçu le pardon maintenant, tu vas manquer d'assurance dans ce que tu vas dire tout de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que même si quelqu'un a l'autorité, qu'il parle avec hésitation et peur, son autorité n'est pas libérée. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Amen. La Bible dit que si quelqu'un arrive à l'église et qu'il y a des prophéties, mais qu'on ne comprend pas parce qu'on prie en langue, il dit ça ressemble à un son confus. Il dit comment celui qui écoute peut-il suivre si notre voix est confuse, si ce qu'on dit est confus. Donc la confusion, l'hésitation fait que même si les anges veulent obtempérer, ils ne savent pas trop, tu manques d'assurance. Que Dieu t'accorde de l'assurance maintenant. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi de ton assurance. Remplis-moi de ton assurance. Je veux parler selon toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde les deux mains levées et reçois de la puissance. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Tu vas recevoir une puissance. Tu reçois maintenant la puissance. Tu vas commencer tout de suite. On va prier, on va prophétiser sur nos vies, sur nos affaires, sur notre maison. Tout ce sur quoi Dieu nous a établi. La première des choses, c'est que tu es établi
Dieu t'établit sur ton propre corps. Dieu t'établit sur ton âme. Dieu t'établit sur ton esprit. C'est la raison pour laquelle tu es capable de donner un ordre à ton corps pour dire tu vas prier. C'est la raison pour laquelle tu es capable de donner un ordre à ton âme pour dire à mon âme tu ne seras pas triste. Tu seras joyeux. Tu dois avoir, Dieu t'a donné l'autorité sur ton propre corps. Mais pour que cette autorité-là soit véritablement manifeste, toi-même tu dois te soumettre à Dieu. Mais comme il y avait de la rébellion, mais maintenant tu t'es repenti de toute forme de rébellion, de toute forme de désobéissance, Dieu te restaure, il t'a pardonné par sa parole, il t'a sanctifié, il te restaure dans ton autorité. À l'instant où tu te tiens, et tous ceux qui me suivent en ligne, vous êtes restaurés en autorité. Je ne veux pas que vous ayez du doute, parce que quand vous manquez d'assurance, Satan va vous faire manquer d'assurance. Quand vous allez commencer à dédier votre famille, vos enfants à Dieu, Satan va venir te dire, est-ce que tu es sûr que quelqu'un t'a établi? Tu es sûr que tu as autorité pour parler de la sorte? Si tu faiblis, tu vas commencer à parler avec hésitation et on ne sentira pas dans ta voix l'autorité. Tu dois sentir maintenant que Dieu t'a pardonné. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ne laissez pas le diable vous faire douter du manque que Dieu... Non, si nous confessons, il nous pardonne. Si nous confessons, il nous pardonne. Ma fille, tu es pardonné. Mon fils, tu es pardonné. Il faut croire que Dieu te fait grâce. Oui, pendant longtemps, tu as peut-être été rebelle, tu as fait des choses. Voilà, ça arrive que quand on voit certaines injustices, on n'arrive pas à respecter l'ordre hiérarchique. Ça arrive. Ça arrive aussi que naturellement, on a un cœur qui est rebelle parce que dans la vie, toute personne établie sur nous nous a opprimés, nous a maltraités. Donc, on a une attitude d'autodéfense. Mais ce n'est pas parce que tu as une raison que ça donne raison à ta manière de faire. Non, pas devant le ciel. Les ordres du ciel sont les mêmes. Tu dois simplement, pendant que tu as demandé pardon, sa parole est en train de te sanctifier. La hiérarchie est puissante parce que toi aussi tu es établi sur des choses. Et il faut que ta parole sorte avec puissance et mette de l'ordre là où Dieu t'a établi. Il y a de l'ordre qui doit rentrer dans ta maison. Il y a de l'ordre qui doit rentrer sur les enfants sur lesquels Dieu t'a établi. Il y a de l'ordre qui doit rentrer. Ta destinée là, c'est elle t'appartient. Dieu t'a dit, je ferai de toi ceci. Tu vas atteindre telle chose. C'est Dieu qui l'a dit. Ça veut dire qu'il t'a établi, il t'a donné l'autorité sur ce programme. Amen. Donc tu dois pouvoir parler à ta vie et à ton corps d'atteindre la destinée. Tu dois être capable de dire, j'atteindrai. Et tu donnes l'ordre. Pourquoi? Parce que c'est ta destinée à toi. Dieu t'a établi sur cette destinée. Ta parole, tu dois parler avec autorité et assurance. Tu ne dois pas prier et puis dédier ton futur avec hésitation. Je ne sais pas si un jour Dieu veut que... Non, parle avec... C'est ta vie. Dieu te l'a confié, ce n'est pas la vie de quelqu'un. C'est ta vie et tu es capable de pouvoir parler là-dessus. Mais cette autorité vient parce que toi-même, tu es soumis à celui qui t'a envoyé cette vie. C'est pourquoi tu as commencé par la repentance. Par la repentance en disant, Seigneur, pardonne-moi toute rébellion. Pardonne-moi toute rébellion. Car moi, je dois être soumis pour que ma prière et mes prophéties soient actives dans le nom puissant de Jésus. Tu es restauré, tu es rétabli, tu es pardonné. Tu es sanctifié par le sang de Jésus. Que toute rébellion soit effacée. Que toute rébellion nous pardonne. Papa, par ignorance, nous avons péché. Parce qu'à cause de nos défis personnels, de nos blessures intérieures, nous avons été rebelles. Rebelles, Seigneur Dieu, dans en entreprise. Rebelles, Seigneur Dieu, dans les départements. Faisant les choses de notre propre manière. Refusant d'écouter la voix des personnes que tu avais établies sur nous. Nous voulons avoir de l'autorité, mais nous avons refusé nous-mêmes de nous soumettre à l'autorité. Nous faisons de l'obéissance superficielle, apparente, mais nos cœurs ne sont pas soumis. Et nous te demandons pardon pour toute insoumission. Nous te demandons pardon pour toute insoumission. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toute insoumission à ta parole. Pour toute insoumission aux autorités que tu as établies sur nous dans le domaine où nous sommes. Oh Jésus, oh Père, pardonne-nous dans ta grâce divine. Seigneur, lave-nous par ton sang. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Donc l'autorité t'est donnée et l'autorité vient parce que tu as établi. C'est ce que Dieu dit à Jérémie en Jérémie chapitre 1, verset 10. Il dit ceci: je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Jérémie 1, 10, on peut l'afficher. Il dit: regarde, je t'établis aujourd'hui et je veux prophétiser sur toi. Ton Dieu t'établit. Il restaure ce sur quoi il t'avait établi. Il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et quand tu établis, pourquoi? Tu as l'autorité d'arracher. Il dit, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu venait d'établir prophète Jérémie. Dieu venait de lui donner l'autorité sur les nations, dans le domaine de la prophétie.
Il n'avait pas une autorité en tant que roi ou chef d'État. Non, c'est une autorité dans le domaine de la prophétie. Et maintenant qu'il est établi, Jérémie avait le pouvoir de dire tout ce que Satan a planté là, j'arrache. Et tous les démons devaient obtempérer. Et puis après, dans l'autorité, quand on t'établit en autorité, tu as le pouvoir de bâtir. Donc, si tu as autorité sur ta famille, tu vas déclarer que ta famille soit bâtie. Selon le plan que Dieu a prévu, tu peux ordonner que moi et ma maison, nous servirons Dieu. Pourquoi tu peux dire que ta maison va servir Dieu? Parce que Dieu t'a établi. Dieu t'a établi comme chef de cette maison. Mes enfants, c'est pourquoi un prophète est capable de dire, mes enfants seront des serviteurs de Dieu. Et quand tu parles, même si tes enfants veulent se détourner, il y a une puissance. Parce que le démon qui veut l'attirer là, il n'a pas autorité sur l'enfant. C'est un rebelle. Mais toi, l'enfant, Dieu te l'a confié. Donc tu es capable de dire, mon enfant, tu te redresses. La santé de ton enfant t'a été remise. Mais avant, tu étais là, mon fils soit guéri. Vraiment, il faut que tu sois guéri. Il faut que tu sois guéri. Mais tu n'as pas de poids. Parce que toi-même, peut-être même toi-même, tu ne coupes pas bien ton mari. Tu comprends? Maintenant, tu t'es repenti. Tu es établi. Tu dis, démon, écoutez-moi bien. Je suis sa mère, établie par le ciel. Suis cet enfant. C'est toi qui le nourris. C'est toi qui prends soin de lui. Pourquoi c'est un démon qui va décider sa santé? Et alors il dit à Jérémie, je t'établis. Tu m'arraches ce qui doit être arraché. Dieu ne vient pas arracher. Hein. Il dit, Dieu n'a pas dit, Jérémie, je vais arracher par toi. Il dit, je t'établis, c'est à toi d'arracher. Vous devez prendre autorité puis arracher la pauvreté qui frappe votre famille. Ce n'est pas normal. Vous devez arracher la galère qui est dans votre maison. Vous devez arracher les maladies qui sont dans votre corps. Vous devez arracher. Tu as autorité sur ton corps. Tu interdis à ton corps d'avoir cette maladie récurrente. Ça suffit trop, c'est trop. Tu comprends? Satan n'a pas autorité sur ton corps. Tu as autorité sur ce corps. Et tu dois prendre autorité et appliquer ton autorité et ordonner. Alléluia. Nous allons commencer par prendre autorité sur notre corps. Parce que ça, au moins, on est convaincu que c'est la première sphère que Dieu nous a confiée. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais que j'ai autorité sur mon corps parce que c'est mon bras. Si je dis, lève-toi, il s'élève. Si je dis, viens derrière, il se vient. Maintenant, si tu dis à ton bras, quand tu as AVC, tu dis, bouge, il ne bouge pas. Tu as perdu l'autorité sur ton corps. La maladie vient de prendre l'autorité sur ton corps. Quand quelque chose d'illégal est rentré dans ta vie, tu peux t'arrêter parce que c'est toi le chef. Tu dis, je te dis, je t'arrache. Je t'arrache. Je t'arrache. Alléluia. Alors, tu vas prendre, parce que maintenant tu as l'autorité sur ton corps. Prends autorité, parle avec assurance et autorité. Parle avec assurance, parle avec certitude. Parle avec assurance et arrache dans ton corps ce qui doit être arraché. Chere katarababrada sorobaralaka. Chakatarianda brada sorobaralaka tarababra. Charabarala sorobarala clarianda brada se. Chekataribabrada sorobaralabra. Arrache les maladies, arrache les mauvaises pensées, arrache le doute, arrache la dépression, arrache la maladie, arrache tout ce qui est dans ton corps qui est anormal. Dieu t'a donné autorité sur ton corps. Dieu t'a donné autorité sur ton âme. Dieu t'a donné autorité sur ton esprit. Arrache ce que Dieu n'a pas planté. Arrache ce que Dieu n'a pas planté. Rabakata rababrada sorobara la katarababra. Sarakata rababrada sorobara la katarababrosa. Cherebrada katarababrada sarabara la be. Rikatarianda brada sorobara la ba. Sharabakata rababrada sorobara la ka. Cherebakata rababrada sarabara la ke. Si un démon est venu mettre une maladie, une chose impure dans ton corps, il n'a pas autorité, il n'a pas l'autorisation. Interdis-le de se manifester et arrache cette maladie. Cherebakotaraya, cherebakotaraya, sorobarala, sorobaralaka, sharabarala, sandarababru, rekatarebakata, rekatarebakata, sorobarala, sorobaralaka, sharabarala, sorobaralaka. Robrakata robarabarabara la soro baralaka. Ebrayakata rababrada soro baralake. Raides gloria da brada soro baralakla. Roda brada gloria da brada soro baralaka. Robrayakata ribrayata la babra.
Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas continuer à prendre l'autorité. Là, j'ai parlé de ton corps, j'ai parlé de ta santé. Tu as autorité sur ton âme. Il y a des choses qui sont dans ton âme qui ne viennent pas du Père. Et c'est parce que tu as l'autorité. Quand le psalmiste parle, David parle, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et je vous ai souvent dit, quand vous regardez la conjugaison, le temps de cette phrase, ce n'est pas un constat. Il est en train de donner un ordre à son âme. Il est en train de dire, mon âme, tu ne dois pas être triste. Hein? Tu bénis Dieu, je te commande. J'ai autorité, tu as autorité sur ton âme. Alors, si vous sentez que votre âme se décourage souvent, dis-lui, hey, je te donne l'autorité d'être une âme forte. De ne pas baisser les bras. Une âme consacrée. Mon âme, tu es dans la joie. Mon âme, j'arrache de toi la tristesse. J'arrache de toi l'abattement. J'arrache de toi le découragement. J'arrache. Et puis tu dois bâtir la joie. Tu dois bâtir la paix. Dis à ton âme, mon âme, tu vas servir Dieu toute ta vie. Mon âme, tu béniras. Alors arrache ce que Dieu n'a pas planté. Prends autorité sur ton âme. Et arrache dans ton âme la tristesse, l'angoisse, la peur, les émotions négatives, les mauvais sentiments, les mauvaises émotions. Rekatari ababrada sorobara la kata. Rakatari anabrada sorobara la keta. Sharabara la sorobara la keta. Rikata la babrada sorobara la konta. Shabraya katara babrada seta. Enlève la colère de ton âme. Arrache l'amertume. Arrache la colère. Arrache le manque du pardon. Arrache le manque de confiance en soi. Arrache ces choses-là. Arrache le doute. Arrache. Arrache. Shabakata rababrada sorobara la katara babrada serebara la be. Rianda brada sorobara la gloria da brada sla. Arrache. Chakatari Ababa, arrache le doute, la peur, l'incrédulité, arrache. Shabakatara Babrada Sorobara Labe, Shabraya Katara Babrada Sorobara la Clarianda Brodo, Brenda Brada Sorobara la Brevere le Tota la Babra, Sharabara la Sonda la Babre, Rikatari Andabra, Sorobara la Sonda la Babra, Renda Baya Kotara Babrada Sorobara la Ki, Shima Kataye, Makata la Makataye. Robra katare bakatare barababa. Shabraya katara babrada soro baralaka. Arrache, 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 arrache. J'arrache. J'arrache. Arrache. La peur, le doute, la honte. Toutes les faiblesses émotionnelles. Les faiblesses caractérielles, les faiblesses du tempérament. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu vas continuer dans la même veine et tu vas prier par rapport à ton esprit. Tu vas arracher, c'est quoi les mauvaises semences qui sont dans l'esprit. Hier, on a prié par rapport à ça. On dit que votre être entier, le corps, l'âme et l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés et répréhensibles. Ce sont les mauvaises pensées. C'est les mauvais. C'est-à-dire que tu es bombardé de pensées de peur. Tu es bombardé de pensées d'inquiétude du lendemain. C'est-à-dire que quand tu es couché, tu dis, demain, de quoi sera fait? Donc, ce qui est dans les pensées qui sont dans ton esprit, c'est comme si quelqu'un vient et puis il est saint. Tu viens à l'église, tu écoutes des messages. On te dit, il faut avoir des pensées de victoire. Mais tu t'en vas, il y a quelque chose qui dit non, 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 non. Tu as vu la ville, non? Tu as vu la ville, non? Allez, pense à la défaite. Allez, pense à l'échec. Tu as vu, toi, dans ta vie, rien n'est bon. Donc, tu n'arrives pas à rêver. Tu n'arrives pas à voir grand. Or, la foi, c'est la ferme assurant des choses qu'on espère. Mais il y a des personnes qui ont des difficultés à espérer. Leur esprit est constamment poussé vers les choses qui ne vont pas, vers ce qui est négatif, vers ce qui n'est pas victoire. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Il y a quelque chose d'autre qui t'insère ces pensées-là dans ton esprit. Tu vas
briser. C'est ton esprit. Tu vas non seulement, tu vas prendre l'autorité pour arracher et tu vas emmurer ton esprit. Tu vas dire, mon esprit est protégé par le raisonnement de la parole de Dieu. Je bâtis des forteresses d'amour, des forteresses dans mon esprit de joie, des forteresses d'espérance. Je suis une femme, je suis un homme qui rêve, qui espère, qui croit dans les autres. Tu crois, qui croit dans la parole. Mes pensées sont attachées à la parole. Tu arraches la peur et le doute et tu déclares à ton esprit, à tes pensées de suivre le Christ, d'obéir à Dieu et de faire la volonté du Seigneur. Élève la voix et parle. Arrache les mauvaises pensées et déclare les pensées de Dieu en toi. Vrai. Rebraya katara babra da soro bara la gloria na bra shara bara la soro bara la bra bara la soro bara la ke raba bra da soro bara la koro bara la soro bara la bra ria da bra da soro bara la gloria na bra da se raba bra da soro bara la gloria na bra da soro bara la bre raba bra da soro bara la katara babra reba katala babra da soro bara la ka ria da bra da soro bara la gloria na bra da soro bara la bra raba bra da soro bara la bre bre de sa Rayanda brada soro bara la gloria da brada soro bara la ka arache 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 au nom de Jésus arache au nom de Jésus 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 Brenda sora bara la kunta la babra. Maintenant prophétise. Maintenant, il dit au prophète, je t'ai établi pour arracher. Il dit, je t'ai établi sur le pays. Et Dieu t'a établi sur ton corps pour arracher ce qui doit être arraché. Dieu t'a établi sur ton corps pour bâtir ce qui doit être bâti. Amen. Alors, maintenant, tu vas dédier ton esprit, ton âme et ton corps. Ça veut dire, pendant que tu vas prier, toi-même, l'esprit va te mettre les ordres que tu dois donner. Tu vas dire, mon esprit, tu serviras Dieu. Tu auras des pensées pour Dieu. Mon esprit, tu es dédié à servir Dieu. Tes pensées sont orientées vers les bonnes choses. Que Philippiens chapitre 4 devienne réalité pour toi. Tu dis, mon esprit, hé, tu penses à ce qui est pur, tu penses à ce qui est saint, tu penses à ce qui est honorable. Je ne veux pas avoir des pensées de déception en toi. Hein. Tu as compris? Mon esprit, tu m'obéis. Tu penses à la droiture. Mon âme, mais tu bénis Dieu tout le temps. Je veux une âme forte. Je veux une âme bonne. Une âme qui pardonne facilement. Ton âme. Ton âme retient trop les offenses. Quand quelque chose t'a fait mal, ça reste. On a beau expliquer les messages que. Il ne faut pas garder la colère jusqu'au soir. Quand tu écoutes, tu ris même, tu dis Alléluia, Amen, pasteur, j'ai compris. La première semaine, tu arrives à appliquer. Deuxième semaine, tu dis là, je suis désolé, j'ai dormir en colère. Parce que le gars, il faut que je me venge demain. Tu vois que c'est ton âme qui te commande. La décision que tu as prise au culte, ton âme n'arrive pas à l'appliquer. Tu vas mettre de l'ordre dans ton corps. Et tu vas bâtir une âme qui craint Dieu, une âme qui respecte Dieu, un esprit qui est dédié à Christ, un esprit qui sert le Seigneur. Nous existons pour lui, nous existons pour sa gloire. Mets de l'ordre dans ton corps. Et après, tu vas dire, tu vas parler sur ton corps. On va aller faire une prière. Tu vas dire, mon corps, la manière dont tu veux prier maintenant, tu dis, mon corps, tu comprends? On se réveille à 4 heures tous les jours et on prie jusqu'à 6 heures, ok? Et tu ne dors pas. Je te donne cet ordre. D'ailleurs même, tu vas me tomber malade. Hein? C'est fini ça. Tu es en bonne santé. Il faut que vous soyez ferme. Et puis tu parles avec assurance. Tu dis, tu ne tombes pas malade. Tu es encore en bonne santé. Si vous avez des problèmes de, on dit, cholestérol, diabète, tu leur parles. Tu dis, tu ne peux pas être là. Tension, tu dis, tension, tu deviens normal. Tout ce qu'il y a de trucs, s'il y a trop de sucre dans mon sang, ça va être évacué. Mais tout est normal. J'ai la vigueur. Tu parles à ton corps, tu parles avec assurance, avec calme, avec autorité. Et tu lui montres le chemin. Tu lui montres le chemin. Que ce ton corps, ton être entier, soit dédié à la cause de Dieu, à la cause de Christ, à l'avancement du royaume de Dieu. C'est toi qui es le chef de ce corps. C'est toi qui es le chef de ce corps. Lui va te donner l'instruction. Maintenant, tu connais son instruction. Toi et ta vie, ta maison, vous allez servir Dieu. Et tu vas dire à ton corps, voilà ce que ma vie sera. Tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, tu vas bien, tu es guéri,
Tu sais, Jésus, élève la voix maintenant et donne l'ordre à ton corps, à ton âme, à ton esprit. L'Esprit Saint va mettre des idées dans ton esprit, dans ton cœur, pour que tu parles à ton esprit, pour que tu parles à ton âme, pour que tu parles à ton corps. Tu dois maintenant bâtir un corps fort, une âme forte, un esprit régénéré, un esprit fort. Bâtis-le au nom de Jésus. Raide sere bara la coro bara la soro bara la bra rianda brada soro bara la coro bara la soro bara la be raba brada soro bara la catara bara da se rianda brada soro bara la gloria da brada se shara bara la soro bara la gloria da brada so ricata li brada soro bara la kende le baba raide sere bara la gloria da brada soro bara la cla raba brada soro bara la gloria da brada soro bara la co Roda brada soro bara la clarianda brada soro bara la ke ri bara 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 la bra bara la soro bara la clarianda brada soro bara la bra renda ba shaka talinda bokata ye mala sukata arakatarianda brada soro bara la ko renda brada soro bara la clarianda brada soro bara la ka re brada 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 baba 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 she sharakata le marakata la breya kata la baba baba sota Ah, ma vie, mon corps est dédié. Mon esprit est dédié à servir Dieu. Mon âme, c'est le Seigneur. Mon âme loue Dieu. Mon âme, tu es dans la joie. Mon âme, tu es dans la paix. Mon âme, tu es motivé. Mon âme, tu pardonnes. Mon âme, tu aimes. Mon âme, tu as de la bonté. Mon âme, tu as de la diligence. Mon âme, tu es zélé. Mon corps, tu es en bonne santé. Mon corps, tu marches droit. Mon corps, tu sers Dieu. Mon corps, tu fais la volonté de Dieu. Mon corps, rekatarababrada sorobarala. Rebrakatarababrada sorobarala. Raba brada soro bara la claria da brada soro bara la claria da bra sara bara la soro bara la gloria da brada soro bara la be raba brada soro bara la claria da brada soro bara la clu re da brada soro bara la claria da brada sere bara la ca re bara kata raba brada soro bara la claria da brada soro bara la ke raba brada soro bara la gloria da brada soro bara la ca shabra ya kata raba brada soro bara la bre bara la bruce Rebakato la rabra Rebakato la yambra ya sakata la braya onta la babu Rebrada baba 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 shere bara la soro bara la bra Raide gloria da brada soro bara la gloria da brada ke Re da brada soro bara la gloria da brada la ribara la soro bara la bra Au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Shekate la rina la brada soro bara la gloria da bra Re brada bara 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 la soro bara la claria da brada soro bara la bre Rai da brada soro bara la gloria da brada soro bara la ca Re da brada sara bara la gloria da brada soro bara la bre Re brakata la brada soro bara la bra bara la bra Rai da sara bara la lo di shikata la ruta Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Alors, la même chose que tu as faite, tu vas l'appliquer pour ta maison. Amen. Tes enfants, ton mari, ta femme, ta maison. Jésus dit, moi et ma maison, nous servirons. Oui, ce n'est pas une prière, c'est un ordre. Amen. Abraham a dédié ses entrailles à Dieu. C'est-à-dire, il a dédié. Vous devez... Posez des actes pour votre corps, pour votre maison. Tu vas donner un ordre à ta maison. L'autre sera gagné. Que Dieu nous aide. On va bénir, on va dédier nos maisons, nos enfants, notre famille. Tu vas dédier ta maison au service de Dieu. Tu es fatigué de la prière? Non, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Brinda Soro Baralaka. Tu vas dédier. Et donc, dédier ta famille. Si tu es une épouse, tu vas savoir ce que tu dois faire. Si tu es un mari, tu sais ce que tu dois faire. Rababrada Soro Baralaka. Soro Baralaka. Sakata Rababra. Charabarala Soro Baralaka. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Rababrada Soro Baralaka. Tarababrada Se. Charakata Ribabrada Soro Barala Brenda. Rababrada So. Chakatarianda Brada Soro Baralaka. Tarababra. Rabakata la brada soro bara la be, katara brada soro bara la ka, raba brada soro bara la claria da bra, shara bara la soro bara la kara bara la sik. Dédie ta maison au Seigneur, dédie ta vie à Dieu,
que rebrada sarabara la gloria da brada sorobara la ka rabakata la brada sorobara la bre rianda baba baba shere bara la zorobara la ka raida sarabara la gloria da brada sere bara la ka shekataria da brada sorobara la katara baba shakataria da brada sorobara la ke ribakata la baba 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 sha brenda brada sorobara la breda brada sorobara la bra raide sere bara la gloria da brada sorobara la bra rianda baba shara bara la zo Rakataria da brada soro baralaka, breta la bakata la babra, que cette maison de sève, que cette maison de mort, que cette maison de sève, moi et mes enfants, nous servons le Seigneur. Breta brada soro baralaka, rabara la soro baralaka, breta brada soro baralaka, laria da brada soro baralaka, rababrada soro baralaka, rabara la soro baralabi, shiri barabara barabara la soro baralabra, raida salamara la bruta. Sorobara la sorobara la claria da brada sorobara la ba rakatalia da baba baba shendele de brayaka au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Tu vas déclarer, ce sera mon dernier sujet de prière, amen. On va que Dieu nous accorde, nous nous dédions afin de réaliser ce que Dieu a prévu que nous réalisions. Tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas réaliser ce pourquoi tu es né. Tu donnes l'ordre à ton esprit de suivre la voie du Seigneur. Toi et ta maison, vous allez servir Dieu selon les bonnes œuvres qu'il a préparées. Église, dédions nos vies. Prie, dédie ta maison. Dédions l'église à Jésus. Dédions nos familles. Dédions la nation. La Côte d'Ivoire aussi, elle est pour un but. Et si tu me suis dans un pays donné, le pays dans lequel tu te trouves aussi sert pour un but. Que Dieu nous donne de réaliser cela maintenant. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus et nous dédions nos familles, nos maisons, nous dédions nos vies, nous dédions notre corps, nous dédions à faire les œuvres que Dieu a préparées. Seigneur, ce que tu veux que nous réalisions, nous nous dédions à les faire. Nous nous dédions, nous nous donnons tout entier pour l'accomplissement de ces œuvres dans le nom de Jésus. Nous partirons prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Annoncer ta parole aux extrémités de la terre. Être de bons parents, de bons pères, de bonnes mères. Être à ton service, Jésus. Rekatari babrada soro baralaka. Rababrada soro baralabre. Raide shere barala soro baralabre. Breda brada soro baralaklarianda brada soro baralaka. Rubrada brada soro baralaklorianda brada soro baralake. Shere barala soro baralaklarianda brada. Rebraya katale babrada soro baralake. Shere yakata rababrada soro baralakanda lababru. Laïe bara bara bada 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 shere bara la zota rebra yakata rababra. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. J'ai besoin de ta grâce, j'accomplis des exploits, je fais des exploits pour la gloire de Dieu. Mon être entier, moi et ma maison, sont à ton service, Seigneur Jésus. Je me dédie à ton œuvre, je me dédie à ta mission, je me dédie à ma mission. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, levons nos mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, pour accomplir ta volonté, pour accomplir tes desseins. Seigneur, je me livre à toi pour accomplir tes desseins. Jésus, voici ma vie. Elle t'appartient. Elle est pour ta gloire. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Seigneur, voici notre l'église. Voici mon église. Qu'elle te soit dédiée. Qu'elle accomplisse ce pourquoi tu l'as initié. Dans le nom de Jésus. Seigneur, voici ma nation. Là où tu m'as placé. En tant qu'habitant. Copropriétaire de cette nation. Nous te la dédions. Que la nation t'honore. Te serve. Nous te la dédions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les paroles, les prophéties que tu as annoncées sur ma vie s'accomplissent dans le nom de Jésus. J'entre dans une saison d'accomplissement divin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
tout ce que tu m'as donné, Père, pour l'année 2023, de ce mois de juin jusqu'à décembre, que tout s'accomplisse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sur le plan spirituel, j'accomplis ma destinée 2023. Sur le plan de la santé, j'accomplis ma destinée. Les projets que Dieu a pour moi sont des projets de paix et non de malheur. J'ai une grande santé dans le nom de Jésus. Je suis relevé de toute maladie. La santé divine est mon partage. Dans le nom de Jésus, ma famille, mes enfants, et ceux qui sont pas comme mari, vous pouvez dire mon futur mariage, mon mariage. Dans le nom de Jésus, va servir le Seigneur, va honorer le Seigneur. Ce qui doit être fait cette saison s'accomplit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mes entreprises, mon travail et ce que je dois réaliser s'accomplissent dans le nom de Jésus. À la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Je suis ce que je suis par la grâce du Tout-Puissant. Je suis fort. Par celui qui me fortifie, je réalise des exploits dans le puissant et précieux nom de Jésus. J'ai confessé et je déclare ces choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.